beaucoup. Comment ça va? Bah ça va bien et toi? Ça va, t'as bien répété là, t'as fait tes petites balances? Ouais, on a fait les balances, écoute, pour l'instant pas de problème majeur, tout semble fonctionner, on est plutôt content, pas de stress du coup. T'as l'habitude de stresser avant un concert? Pour Rubicon, un peu, parce qu'en fait c'est un petit peu particulier, toute la configuration de scène est un peu compliquée, donc il y a plein de choses à brancher au bons endroits, vérifier que tout soit bien allumé, tout ça. Donc, coucou. Bon, alors pour expliquer, effectivement, on est dans les loges de l'International et la lumière est automatique. Je vais peut-être parler en faisant comme ça. Ouais, on fait ce qu'on peut. Alors, donc, voilà, on va te présenter donc Rubicon, Pierre-Louis. Donc, ton dernier projet s'appelle Rubicon. Tu fais de la pop, on va dire, hybride, expérimentale. Tu as un EP qui sort dans 2 jours. Donc, pour expliquer, on est mercredi et ça sort vendredi 15. Et tu fais ton concert de lancement, on va dire, à l'International ce soir. Ouais, c'est ça. C'est le premier concert depuis... depuis que le EP est sorti, il n'est pas sorti. On va faire comme si c'est la magie du direct, on va dire. C'est exactement ça. Alors du coup, on va parler d'abord de la scène. Rubicon, c'est quoi sur scène? T'es tout seul, hein, je me trompe pas? Ouais. Alors je suis tout seul, en fait. Donc j'ai ma guitare électrique, le chant, mes pédales d'effet de guitare. J'ai un synthé aussi. Et j'ai un séquenceur sur lequel je lance des séquences en fait sur lesquelles je joue, ou parfois en fait qui me servent de batterie entre guillemets, des comme de pad en fait. Donc je joue de la batterie parfois. Dans ce genre de configuration, il y a de la place pour le live ou pour l'improvisation? Ça dépend des morceaux. Ouais. Enfin, si en fait, mine de rien, il y a pas que des morceaux avec des séquences. Hein. Quand même pas mal de morceaux, en fait j'ai un boucleur, donc je boucle tous ces instruments, tu vois, donc parfois je boucle la batterie, je boucle le synthétiseur, tout ça, donc en fait au niveau de la durée des morceaux, sur ces morceaux-là je suis assez libre, et même quand c'est des morceaux avec des séquences, c'est jamais vraiment exactement comme sur le disque, parce que j'improvise des trucs à la guitare, il y a des structures qui changent. En fond, la musique elle évolue au fur et à mesure, j'imagine, de ce que tu joues à droite à gauche. Mais on va parler de Rubicon du coup, parce que ton EP, donc Trouble Fête, sort bientôt. C'est quoi la musique? Comment on peut la définir? Parce que moi je dirais que c'est très expérimental, il y a une base pop, mais de ce que j'ai pu entendre aussi de tes autres projets musicaux, t'as quand même pas mal fait de grunge, de la folk. Et au final, la musique, comment tu pourrais la définir toi? Difficilement. À l'accessible déjà, hein, parce qu'il ne faut pas avoir peur. Souvent quand on dit expérimental, on va penser à du Tom York. Allez, on va bouger un peu. Hop. Salut. En fait, c'est pratiquement que des chansons, des formats chansons, parce que c'est un format que j'aime bien. En fait, j'aime bien les refrains, j'aime bien les couplets, j'aime bien les ponts. Il y en a qui essaient de s'en échapper. Moi, c'est un truc que j'aime bien. Donc, du coup, cette structure pop, justement, à travers ces schémas-là. On retrouve le côté pop, il vient de là, je pense, et le fait que ça reste quand même assez mélodique. Après, à l'intérieur des parties, il y a pas mal d'expérimentation, mais généralement, ça reste toujours des structures assez pop. C'est libre, parce que tu chantes aussi bien en français qu'en anglais. Ouais, voilà, ça c'est un peu la nouveauté pour moi sur ce projet-là, c'est que j'ai mélangé l'anglais et le français, et parfois même à l'intérieur d'une chanson, quoi. Et du coup, ça c'est assez cool pour moi, c'est nouveau, donc c'est comme un nouvel outil, un nouvel instrument aussi pour moi. Mais pourquoi changer de langue? Parce que ça sonne mieux au final, à travers les structures mélodiques que tu crées, ou... Le fait de changer de langue? Ouais. Parce que tu parles pas en anglais, j'imagine, tu viens de Tours, tu vas pas parler en anglais. Tous les projets que j'ai eu jusqu'à présent, je chantais tout le temps en anglais. Ouais. En fait, j'ai écouté que de la musique anglo-saxonne, ado, j'ai fait des études d'anglais. Donc en fait, c'est la langue pour laquelle je suis le plus à l'aise au niveau du chant. Donc ce qui n'est pas le cas du français, ce qui est dingue. Hein, finalement, ouais. De toute façon, on est d'accord que dire que la langue anglaise sonne quand même nettement mieux dans la musique que la langue française. Parce que j'imagine composer en français, écrire en français, c'est extrêmement difficile, non? À vrai dire, c'est ce que je me disais, c'est sûrement vrai. Mais en fait, là, pour Rubicon... Les textes sont sortis assez naturellement, c'était assez instinctif. Je me suis rendu compte finalement que mes textes en anglais étaient hyper proches de mes textes en français. C'est juste que la langue qui change, mais je veux dire, c'est la même façon d'écrire, c'est les mêmes images. Je veux dire, je me suis rendu compte qu'en fait, je crois que ma façon d'écrire en anglais
a influencé ma façon d'écrire en français. Ouais. Il y a un morceau que j'aime bien dans l'EP Trouble Fête, c'est À la mémoire, qui est je crois le single d'ailleurs. Ouais, c'est... Ça fait marrant parce que du coup ça fait écho avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec la mort de David Bowie et d'autres légendes de la musique comme Lemmy. Ça voulait dire quoi ce titre à la mémoire de ceux que c'est quoi encore le nom, etc. Alors, c'est quoi le chante-moi le refrain un coup pour moi. À la mémoire de qui déjà. Voilà, c'est ça. Salut. Et donc du coup ça veut dire quoi ce genre de chanson, c'est quoi l'idée derrière. Bon, en fait j'aime pas trop expliquer normalement les textes et tout, j'essaie toujours que ça, qu'il y a un petit peu de choses qu'on puisse l'approprier, pas forcément que ce soit méga, mais en gros, j'ai eu un enfant pour la première fois, il y a 9 mois, et ça traite un petit peu de ça, mon rapport, par exemple, que j'ai pu avoir avec mon père, que j'ai perdu quand j'étais petit, mon grand-père avec qui j'ai grandi, cette espèce de truc-là intergénérationnel, le fait de moi me retrouver père... Donc voilà, c'est lié un petit peu à toute cette histoire-là, mais j'ai essayé de mettre un maximum de légèreté quand même. Ouais. Et donc, ça traite de ça en fin de compte. Parce que du coup, moi, j'ai pas du compris ça, forcément, j'avais pas cette histoire de ta vie. Oui. Moi, j'ai plutôt compris que justement, c'était, bien évidemment, tu vas pas composer à ce moment-là par rapport à la mort de Lemmy ou David Bowie, mais je me disais, voilà, c'est tous les gens qui vont faire un hommage à la mémoire de quelqu'un, mais au final, ils savent même pas de qui, parce qu'on est plus là à faire des articles, des sujets. Parce que ça fait du clic et ça fait vendre certains médias sans savoir vraiment de quoi on parle, quoi. Bah, et donc du coup, c'est marrant parce que c'est totalement une histoire différente. Ouais, mais ça me plaît bien, justement, ce truc-là, avec le fait, voilà, toi, tu t'es approprié le truc-là, ce truc-là, tu t'es dit, tiens, ça, c'est ça, et ça, c'est ça qui me plaît, moi, dans la chanson. C'est pour ça que je vais arrêter de dire de quoi ça parle. Ouais, vaut mieux pas expliquer. Je te demanderai, en fait. Mais en la tout prochaine cas, fois, je demanderai. Mais en tout cas, ce qui est plutôt cool avec ce titre, parce qu'il est assez accrocheur, on se rend vraiment compte de ta liberté que tu as à travers ces 4... Alors, c'est l'EP de 4 titres, hein, je ne me trompe pas. Et les 4 titres sont très, très différents. Donc, du coup, j'invite tout le monde à pouvoir prendre le temps de les écouter, parce que ça peut être un petit peu repoussant à la première écoute, parce qu'on ne sait pas trop où se situer. Mmh. Mais en tout cas, on se rend compte de la certaine richesse et le mystère qui plane autour de ton univers. Et justement, une question que je me suis posée dès le départ, c'est ça vient d'où, Rubicon, ce mot? C'est non. Il faut bien que tu m'expliques quand même. Là, c'est enfin, du coup, quand on... En gros, pour la petite histoire, ce projet-là, il est né un peu par hasard parce qu'en fait, je devais. Mon projet solo d'avant s'appelait Luis Francesco Arena, donc plutôt folk. Ouais. En fait, j'ai sorti 4 albums et quand j'ai commencé à composer le 5e album, j'ai voulu vraiment changer mes habitudes. C'est-à-dire que j'avais l'habitude de composer sur une guitare acoustique, des chansons un petit peu de façon plus traditionnelle. Et là, du coup, en fait, j'ai repris la guitare électrique et j'ai juste pris quelques petits gimmicks de guitare, je fais comme ça, et j'ai tout composé avec mon ordi, donc plus avec des machines et trucs comme ça. La première fois que tu utilises un ordinateur pour composer? Ouais, clairement, je crois. Et du coup, au final, je trouvais que les chansons que j'avais pondues étaient vraiment loin de Luis Francesco Arena. Et comme j'avais déjà fait quand même 4 albums, je me suis dit, les gens qui aiment bien, ils vont s'attendre à un truc peut-être un peu folk ou je sais pas quoi. Je me suis dit, j'avais envie de chanter en français pour la première fois aussi. Ça faisait plein de trucs qui m'ont poussé en fait à commencer quelque chose enfin un nouveau projet quoi. Je me dis, je repars de zéro. Et du coup, alors le nom, ça a été plus dur à faire, plus dur à trouver un nom. Donc c'est passé par 15 ans. Tu disais que le premier nom à consonance un peu espagnole ne voulait pas forcément dire ce que tu faisais, ce que tu chantais en termes de musicalité. Donc du coup, ouais, c'est bizarre, Rubicon comme nom. Rubicon, ouais, bah, moi j'avais envie d'un truc, je voulais trouver quelque chose en un seul mot, quoi, un petit peu plus simple. En fait, je te dis, c'est passé par plein de trucs, à un moment ça a failli s'appeler Carla Bail. Donc en fait, Carla Bail, putain, le gros bordel, je suis un garçon, c'est un nom de fille, en fait c'est un village en Ariège, enfin bref. Et donc ça a fini par Rubicon, donc Rubicon c'est... R-U-B-I-C-A-N, ouais. Avec un C majuscule en plus, si j'ai bien compris. Petit plaisir graphique. Et du coup, ça se dit par exemple pour des chevaux qui sont noirs ou marrons, des chevaux qui commencent à, enfin qui ont des taches blanches un petit peu, tachetées de blanc, on dit que c'est des chevaux Rubicon. Et comme moi, tout ce qui est taches blanches, ça commence vraiment... Ouais. Poivre et sel. T'as pu l'appeler poivre et sel, quoi. Je me suis dit que c'était marrant. Et en plus, j'aime bien, ça ressemble un peu à Rubicon. Enfin, je sais pas, j'aime bien la sonorité du mot. Ça m'a fait rire, cette espèce de truc de taches blanches.
Et du coup, ça va pas. Grosso modo, tu laisses venir par rapport à tes intuitions et tu prends comme ça les choses qui te semblent les plus pertinentes sur le moment. Ouais, alors sauf que là, en l'occurrence, comme je te disais, pour le nom, ça a mis des mois avant que je trouve ce nom-là. Ouais. Donc, ça n'a pas été méga instinctif. Mais du coup, comment. Cette lumière. Et du coup, comment ça vient? Parce que c'est assez bizarre aussi comme nom de paix, trouble fête. Le paix d'avant s'appelait brise l'âme. Je veux dire. Là, en fait, c'est que j'adore les mots composés. J'aime bien en fait le fait que si tu prends un seul de ces mots, enfin brise et l'âme, en fait, ça veut dire des choses bien forcément complètement différentes. Et en fait, quand tu les assembles, bah, c'est un nouveau mot qui apparaît. En fait, ouais, j'aime vraiment bien. Les mots composés, donc je me suis dit que j'allais appeler tous mes albums par un nom composé, ça risque d'être. Donc, du coup, on va s'attendre à un troisième EP qui va être cerf-volant. je sais pas, je m'étais fait une liste de plein de mots composés que j'aimais bien, mais. Bon, alors pour 2016, on s'attend à quoi? Parce que là, il y a un concert ce soir international, et il y a l'EP qui sort. Je vais faire pas mal de concerts, j'espère. Il y en a quelques-uns déjà de calés. Là, je vais vraiment me concentrer là-dessus. Et après, je vais sûrement commencer à composer d'autres morceaux. J'ai 2-3 morceaux déjà, mais je pense que. Pour un EP encore, je sais pas. Tu vas passer au format long? Peut-être pas passer au format long, justement, pour essayer de. Faire quelque chose de cohérent sur un long format, peut-être pour ça permettra que les gens soient moins perdus. Et moi, ça va être un petit challenge, quoi. J'ai bien envie de m'y frotter, mais je vais voir. Peut-être un troisième EP, je sais pas. Ouais, ou pourquoi pas l'Olympia et le Zénith. Bah ouais, carrément. On va les appeler pour Kickbook. On va d'abord voir ce que tu donnes sur scène ce soir. Et ensuite, on va aussi entendre ce que tu donnes en EP. Appelle-les quand même avant le concert. Ouais, bien sûr. Mais j'ai pas trop de soucis à ce côté-là. Bon, bah je te remercie. Merci beaucoup à toi. Et à plus tard, dans quelques minutes, pour ton concert. Ok, merci. À une prochaine, ciao. Salut.